attendez réponse nous. Bravo. Est-ce que tout le monde l'a marié? Bon, alors si on aime des boutons garçons, vous on fil là, va voir. Ou bien côté yon femme pour yon garçon là. En attendant que moi je venais en support, moi pas quoi m'a fait prendre en pile temps, mais moi quoi que dans le genre de rencontre ça yo, li très utile pour nous parler de bagaille de base. Parce que ça qui a passé dans le foyer yo, et c'est pas comme ça lié. Ça t'a vivre, ça n'a vivre dans le foyer, c'est pas comme ça lié là. Est-ce que nous comprenons ça me dit? Très bien. On va parler de cinq bagailles tout à l'heure. Mais nous avons péché. Il y a une belle dame qui est là avec moi. Et elle est madame pour ce jour. Continuez. C'est la seule qui est là. Elle vient avec moi, la petite Teïta. Merci parce qu'elle y a accompagné moi. En attendant, on peut vous rejoindre. Bon, moi, dis, moi, je songeais que le président Joaquin Balaguer, c'est un ancien président dominicain, va vrai? Il y a une journaliste française qui vivait Saint-Domingue, l'a interviewé. Mais Joaquin Balaguer n'a pas de jambes pour une femme. Pas de jambes mariées. Journaliste a demandé, mais pour qui sont pas de jambes mariées, président? Il dit que moi, j'ai deux raisons qui font pas de jambes mariées. Première raison, c'est que pas de jambes courent au travers. C'est ça, femme pas de mariée. C'est la première raison, femme pas de mariée. Et deuxième raison qui fait me battre comme mari, c'est parce que je me couche sous carbone, je ne vais rien en barrer ma droite, ni rien barrer ma gauche. Si je veux descendre à droite, je descends à droite. Si je veux descendre à gauche, je descends à gauche. À moi, rappelez-moi aussi un proverbe arabe qui dit ça, il dit que mariage, même le foyer, c'est comme on forteresse assiégée. Moun en dedans voulait sortir et moun dehors voulait entrer. Comme vous pouvez dire, mariage, c'est une forteresse assiégée. Moun dehors. J'ai l'impression que je ne vais pas commencer parce que Sandé m'a tendu un support là. Dès qu'on rendez-vous avec un bien-aimé. Bon, il m'a quitté. Moi, je voulais saluer la sœur Caroline qui réunit nous toutes là. Son bras extraordinaire. Et qui me parle pour la sœur Caroline, Antoine, et Eliassin. Avec toute l'équipe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pasteurs, collègues dans le ministère qui l'a. Moi, saluer. Et moi, saluer tout le temps, madame, monsieur qui est dans le mariage, bien que bagaille là difficile pour vous, mais il a résisté toujours. Bah, bravo pour mon saïo. Bagaille là dure, mais il n'y a pas bon bagaille là pour nous, mais il a toujours. Bon, moi, je dis, vous connaissez parmi toutes institutions, gagnons institutions qui ont relayé une institution de base. Il n'y a pas l'autre que la famille. La famille a gagné 6000 années depuis l'instituer. Et c'est Dieu le Père qui a institué la famille pour le bonheur, le bien-être de l'humanité. Mais ça n'a pas arrêté là. Satan a un plan de tout pour l'humanité, pour la perversion ou bien pour le malheur de l'humanité. Il est venu avec touche pas. Et en soi,
Moi gagne 5 bagages. Nous allons partager avec nous si nous voulons kembe harmonie en dans foyer nous. Attendez bien ça dire là. Moi dit que moi gagne 5 éléments. Si vous voulez kembe harmonie dans foyer, ça doit interpeller. Premier élément que ni moi-même ni vous-même nous devons prêter attention à lui-même, c'est l'amour. Pas seulement dit l'amour, mais l'amour dans sa forme. T'as vu? Alors t'as dit sa forme, t'as dit dans façon transformée. Lui. Parfois l'amour qui c'est une sorte de verve, un sentiment que vous sentez pour un monde, un partenaire. Dans le mariage, après 2 ans, après 10 ans, après 15 ans, cette verve, V-E-R-V-E, lui tonne à baisser. Mais ma parole de amour que vous devez gagner dans la famille, qui transforme dans le foyer en sagesse et en patience. Bon, moi, quoi? L'amour qui transforme dans le foyer, après plusieurs années, transformé en sagesse et patience. Pour m'expliquer, vous savez, moi, rappelez-moi, il y a un philosophe, c'est Socrate. C'est le père de la philosophie antique. Lui s'était marié, il était une femme qui était Xantippe. X-A-N-T-I-P-P-E. Xantippe. Son femme à la fois laide et revêche. Elle est laide. Elle est de mauvais caractère. Un jour, Socrate est en rencontre avec un ami et puis il a tellement fait des gars. Qu'est-ce qu'il fait mal pour Socrate? Et puis, il dit Socrate, mais comment on fait tomber son femme comme ça? Et puis il dit, dans la vie, si vous comptez avec une bonne femme, vous êtes heureux. Mais si vous comptez avec une mauvaise femme, vous êtes philosophe. Alors, comment lui expliquer ça? Un bonjour, un après-midi, Socrate. Non, alors au bas de la porte, non pas porte Kaila, il t'a pris un bain métaphysique ou bien il t'a fait une méditation métaphysique. Senti passer dans la porte là, il jambé une première fois, il jambé une deuxième fois, Socrate pas fait rien, il jambé une troisième fois, il dit quelques bêtises. Pour monsieur qui a levé, Socrate pas jamais levé. Et plusieurs fois, il jouait le palais. L'élo ouais, Socrate pas jamais répondre. Finalement, le combo qui clôt. Et Socrate la méditation. Il prend le qui clôt, il vide tout sous tête Socrate. Et c'est là ça, Socrate ici répond. Il dit, oui, je te connais. Après, pour ce coup de l'ouvrage, ça y est, il faut t'amener la pluie. Parce que connais qui ça me veut dire. Il y a une période dans le foyer, l'amour doit se transformer en sagesse. Lorsque toute verve
tout ça y est libido, tout désir sexuel, il y a presque final, putain, tu es capable de gagner de monde là qui pas activité sexuelle là, il est très très réduit pour yo. Dans le moment ça, c'est par exemple si vous frisez les 75 ans, les 80, etc. Oh, mais désir sexuel, il a commencé à baisser. Mais si l'amour pas transformé en patience et en sagesse, vous êtes de but en blanc dans la fournaise. Ou directement dans la fournaise. Et moi, conseiller tout le monde, et moi, j'ai simple et très bas dans l'intervention, non? C'est que vous devez être patient. Non seulement patient dans le foyer, mais sage. Sage. Et je vais même reprendre Socrate, qui n'est pas un croyant. Il y a un monsieur qui, dans la discussion avec lui, il balle un goût de bien. Li ba, li qui ça me dit? On coûte bien. Zanmi lui dit, non, mon cher Socrate, je dois réussir à mettre le coup de bien. Ou pas poter le pouli. Comme vous dit en Haïti, je ne pas poter pour vous. Si vous dites qu'on saute le code, c'est pour poter pour moi. Et Socrate regarde monsieur, il dit, mais si c'est ton pourri qui te bat mon coup de bien, est-ce que je dois vous mettre le? Est-ce que nous devons comprendre ça? Est-ce que nous comprenons ça là? Ça veut dire si c'est ton bourreau qui te bat mon coup de pied, je ne vais pas remettre lui, je ne vais pas besoin de remettre lui tout. C'est la sagesse. Je vous conseille la sagesse dans le foyer. Certaines fois, il faut garder le silence. Certaines fois, il faut hausser le ton. Mais au bon moment. Pas aller avant l'heure. Pas presser. Et c'est comme ça pour conserver l'harmonie dans le foyer. C'est l'amour transformé en sagesse et en patience. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, dit l'amour est patient. Le deuxième élément sur lequel on t'a aimé attirer attention à Soya, c'est un élément que vous connaissez, ou même qui lit en pile livre, vous connaissez, ça me va le dire, c'est la communication. Parfois, les intentions trahissent, ou bien les gestes trahissent les intentions. Essayez de comprendre ça, bien là. Parfois, gestes moins trahis. Comme on a dit ça pour le plus simple. C'est comme si ma passé, bon côté, moi pas salué, ou parrain, et puis ou fâché, parce que je pas salué, c'est pas faute, moi c'est ouais, bah ouais. Tandis que je pense que c'est esprit au fait, ou pas salué. Se parler clarifie. Est-ce que vous comprenez bien là? Se parler clarifie. Les ou d'accord pour communiquer l'un avec l'autre dans le foyer, et moi, certains gagnants, peut-être c'est. Gagnants, non, nous qui t'ai parlé, non, mon intervenant qui t'ai parlé tout à l'heure, là, qui t'a parlé de. Je ne sais pas songer qui est exactement, je ne connais pas ces musiciens qui t'a dit ça tout à l'heure, bon, qui dit ça, mais là où communiquer, là où d'accord, chita, moi c'est fou, c'est un musicien, là où d'accord, chita, sous des bagailles qui pas clair, que vous ne pas comprendre, foyer après le bilan. Mais c'est deux bébés en dedans, là. Pas une personne qui connaît ça, personne ne pensait. Pas une personne qui connaît opinion l'autre. On va pas aller aucun côté.
Est-ce que vous comprenez là? Ne vous pas d'accord. Expliquez l'autre là, opinion. Faites-le penser, faites-le connaissance aux pensées. Finalement, vous allez grandir friction. Vous allez grandir frustration. En dedans foyer. Et nous pas capables de vivre loin. Gagnons. Troisième élément, on va prêter celui, c'est la fidélité. Et fidélité en, dans l'église, alors je parle à des couples croyants en Christ. Et parfois, nous jouons infidélité en, dans l'église tout. Infidélité en, dans l'église. Ouais. Moi, l'histoire, mon jeune pasteur qui allait dans un restaurant pendant la manger, et puis il regardait le monde d'âme, j'en avais forme d'âme ça, il sentit le vagal la caille. Et puis il abordait l'entrée, il m'a parlé de mon pasteur. Il a tout fait route dans l'hôtel. Et. Infidélité touchée par une personne dans la question de péché sexuel, notamment par une personne que vous pasteur, que vous c'est, quel que soit poste ou occupé dans l'église Christ là, ou pas qu'a dit dans un moment ou pas senti ou touché. Par la situation sacrée de sexualité. Mais, je voulais aller plus large à souhait avec vous sur question fidélité ou infidélité. Le mot qui traduit infidélité dans la Bible, ou bien, non, alors, notamment dans Matthieu chapitre 19, il pas seulement voulait dire sexualité, coucher avec un garçon ou bien coucher avec une fille. C'est pas ça seulement pornéas ou bien pornéos, vous voulez dire. Sous pas voulez faire manger pour mari ou tout, c'est infidélité. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Peut-être qu'on dit même pas que vous avez joué pour mon arbre, faire manger tout. Si vous pas d'accord, fait manger, laver, moi d'accord que nous tous devons laver, fait manger, laver assiette, etc. C'est pas tomber dans le péché sexuel qui veut dire infidélité seulement. Mais c'est tout ça qui a rapport au bon fonctionnement du foyer, selon le Seigneur. Lorsque nous manquons à responsabilité, ça, c'est là. Non infidèle. Parfois, infidélité finit à cause d'insatisfaction. Il y a des causes d'infidélité. Insatisfaction. On va parler tout à l'heure de certaines insatisfactions, de manque de soucis, l'une pour l'autre. Par exemple, sortir, pas besoin qu'on dit Jean, l'autre là, passer tant de temps, ça fait. Ou bien, l'élément habitude, et c'est ça fait, il dit, l'habitude est une seconde nature. Dans les premiers jours, c'était si haut. Mais avec le temps, bah, la vie amère, ça y a produit infidélité dans le foyer. Nous parlons de l'amour transformé en sagesse. Nous parlons de la communication. Nous parlons de la fidélité. Mais nous gagnons un élément extrêmement important et demandez-vous, soyez tout oreille. Pour tendez, ça m'a dit à là. C'est l'élément de l'hygiène corporelle. Je parle de femmes qui malpropres. M'a parlé de garçon qui malpropre. Pas jamais une femme qui a eczéma dans le doigt de pied. Alors, moi, je m'en donne pardon, même quand je mange, etc.
Si vous avez un eczéma dans le pied, dégagez-vous pour résoudre le problème. Non? Je parle d'hygiène corporelle parce que c'est la famille qui m'a parlé là. Oui, c'est d'accord même. Hein? C'est la famille qui m'a parlé. Ouais, bouchou sont gros outiliers dans la question foyer. Parlez-moi dedans. Je suis obligé de faire les gens, parce que je ne vais pas jouer nous tout le temps pour parler comme ça. Conseil des coins dans le dents. Je vais dire, mais passez vos séjours, vous allez être déroussolé. Hein? C'est pour acheter que dents pour prendre patience pour nettoyer les dents. Floss. Que dents, nettoyer les dents. Parce que l'eau baille. Faut sentir que vous n'avez pas tout pris l'autre bagaille là. Vous n'avez pas besoin de dire tout bagaille. Vous comprenez ça, Diana? Moi, songer, c'est un petit monde qui racontait une histoire, il dit que. Toujours dit ça. Et on a un jeune homme qui est battu, tout ménage, il fait tout gâter avec lui. Là, le côté, ils ont mis, ils disent, mon cher, ils disent, tout ménage, moi, fait, tout gâte avec moi, pas qu'on dit raison, comme elle dit, comme en face, lui. Lui, ah, il dit, est-ce que vous avez senti, monsieur a tombé. Qui ça, quoi, c'est? Cause là, c'est qui ça? C'est bouche là qui n'est pas bon. C'est bouche là, elle pas nettoyer bien, elle pas bien brossé. On pas seulement rester dans bouche. M'a rester en bas bras tout. Parce qu'il faut qu'on il faut qu'un monde qui parle avec monde, pas ça. Nous d'accord même. Parce que quelqu'un dans caille là, Marie ou pas dit que ou mal propre, s'il tout m'a pas fâché. Mais au moins on vient tenter passer pour ces jours qui dit dans pas bon. Faut nettoyer le bien. Ou bien c'est mes conseils, ou bien suer qui en bas. Et leur suer, il y a un mauvais sang. Ça me dit, est-ce que m'a levé jusqu'à présent? Ok. Vous marchez des fois, il y a un monde qui parle même bien. Naturellement, je parle même bien. Même fait tout ça, je connais pour manger tout à fait. Même pas mes parfums. Et madame, moi, là, qui a témoigné pour moi. Parce que c'est mon propre. Non, non, non. Parle bien, mais pas seulement vider de l'eau sous bain, vider de l'eau fraîche sous bain. Vous comprenez ça, bien là? Comment ça me fait? Comment ça me fait? Et moi, bien. Bien, chaque jour. Ok. Propreté. Cheveux qui suent. Des fois, il y a des sortes dans les cheveux. Yes, Daniel. Ah, et mesdames qui mettent, on sait des bagages dans la tête, yo. Pendant plusieurs mois, et puis, on va suer la donne. Et pitié, mesdames. Et pitié, deux. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire là? Après trois mois, on va suer, il ne va jamais laver. Et puis, vous m'enseignez, mesdames, hein? Et publiquement, il y a pas de tête, yo, ça, ok? Mais vous devez peut-être mettre faire pour ça. Pas pour quelqu'un pour, mais il gratte l'envie. Donc, l'hygiène corporelle, c'est important pour le foyer. C'est des gens qui mal propre. Protéger le partenaire là. Fait que en dedans, mon fille baille illustration ça concernant ce jeune homme qui a travaillé dans un chantier. Et il dit, bon, pas quatre monde qui
Au paquet de messieurs qui a travaillé ensemble avec lui, mais il a travaillé avec douleur. Et lui-même, il enjoué, il est content pendant le travail. Finalement, bon monsieur qui parlait, qui dit, mais monsieur, moi, ou différent de tout monsieur, ça, qui travaille dans le chantier, hein? Ce qui ça fait différence, ça? Il s'est dit, vous voulez connaître qui ça qui fait différence à moi avec eux, qui fait me content mon travail, où est la joie sous tête, dans figure? Il dit, mais oui, c'est vous qui avez posé la question. Il dit, ah, mais raison qui fait me pose, et qui fait me joyeux, elle m'a travaillé chaque jour, c'est madame, moi, la caille. Chaque fois, je me aller dans le travail, le matin, il dit, moi, prends précaution, ma tonne rapide. Il dit, Pika, fais un lien pour blesser, pour prendre choc, ma tonne. Il dit, l'air là, tourne la caille. Les jeunes madame, il y avait tout petit mounio à tonne. Les rivets, les jeunes madame, non. C'est l'ancien mode, pas ça? C'est bagay passé, pas vrai? Et il joint de l'eau pour laver main, savon pour laver main, serviette pour laver main. Et puis il voit table là bien rangée, manger à tonne. Et non seulement ça, il voit tout. Toute assiette, tout. Aïe, bien propre, en dedans, bon senti bon en dedans. Il est l'entrée en dedans de la vie. Mais des fois, même, vous ne pouvez pas dire parce que vous avez une nuit, vous les attendez. Les nous, 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 dit nous, mais les nous, en public nous, nous, dit nous, vaisseau nous, nous, mouche nous, nous, ou nous, nous, pas nous, ça en public, pas vrai? Les ravettes, mais il y a un petit poudre pour détruire les ravettes, on évite ça. C'est la pauvreté. C'est pour propre. Propre pour mari ou propre pour madame. Et pas remplir l'effort pour faire vous propre. Parce qu'il y a un monde qui quitte avec monde parce que madame n'a pas propre. Simplement. Et sous mal propre, m'a demandé mon vite que son cas d'infidélité lié. Mal propre. Deuxième, alors cinquième élément, je n'avais pas partagé avec vous, c'est l'activité sexuelle. C'est Abraham Maslow, mais oui, qui parlait de la pyramide des besoins. Il s'est dit qu'il y a cinq besoins. Alors, il y a un besoin d'estime, il y a un besoin d'accomplissement, il y a un besoin physiologique. Et en un besoin physiologique, là, il parlait de l'activité sexuelle. Et moi, je crois que... Qu'est-ce que l'Ibra dit sur ça? D'abord, l'activité sexuelle, c'est une exigence physiologique. Ou besoin fait sexe. Moi, lis soit deux grands monde qui ont 75 ans, ils ont fait sexe trois fois par semaine. Et... Moi, je connais que des amis ou des femmes ou des hommes qui capables de longtemps. Corps, mais il n'est pas bon pour corps. Des fois, c'est le Seigneur qui gagne. Je parle à des hommes ou des femmes qui parlent madame ou qui veulent être fidèles au Seigneur. C'est le Seigneur qui gagne, mais naturellement, physiologiquement, on a des victimes. Parce que lorsque l'activité sexuelle, il aide les garçons, il aide les prostates. Il va pas faire cancer de prostate facile. Dégager, on sait que des bagailles. Et le monde qui dit trop gros, ou quel élément qui fait sexe? Fait le plus souvent parce que. Non, c'est vérité, ma bague. Là. La médecine dit que si vous faites sexe
dans un rythme qui régulier, il est capable de baisser sous poids. Et il est capable même de faire bien, si qu'on le couvre, il faut bien travailler dans le travail. Il faut pour dormir, il faut bien dormir tout. Est-ce que c'est menti, ma baye là? Ok. L'activité sexuelle, attendez, est-ce que vous entendez? L'activité sexuelle, non seulement c'est une exigence physiologique, mais l'activité sexuelle, c'est une injonction divine. Son l'ordre, bon Dieu, passé au couple. Moi, je dis au couple. Au couple. C'est pas moun qui vivre dans l'impudicité. C'est pas de ça qu'on parle. L'activité sexuelle, c'est une injonction, c'est un ordre de Dieu. Et on dit, mais ma soeur, vous savez, comment vous faites son ordre? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, il dit que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Il a parlé de l'activité sexuelle, relation, de cette intimité, il a parlé. Que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire pas une femme qui doit dire, moi pas coucher avec mari. Et si vous faites ça, non seulement son infidélité, son péché, je l'ai dit. Son méchanceté, son injustice, ou par aimer mon. Ou par aimer la ville. Mais c'est pas là que je parle, je prête seulement dans l'activité sexuelle. Et ça, je m'a parlé avec des gens qui sont grands gens là. Est-ce que vous d'accord? Nous d'accord avec? Je parlé avec grands gens. Dans toute femme qui l'a yo, yo tout pas même femme. Dans relation sexuelle, non. Yo tout pas même femme. Il y a des femmes, n'a pas supporté, pas vrai? Amen. Les sous-femmes, n'a pas dit, pas vrai? Ok. Il y a des femmes, monsieur, qui. Non. Les femmes qui chaud. Ah, c'est vrai. Des femmes qui pichent au vélot. Une femme dans relation sexuelle là, supporte ça, ma vie, parce que c'est grand monde nous. Pénétration, hein, capable de mener à l'orgasme. Alors, l'orgasme féminin, c'est un niveau côté fial, arrivé dans le 7e ciel. Je dis 3e ciel pour ne pas faire faux pas. Même après, c'est pas rien à faire 7e vraiment. Non. Mais l'arrivée loin, l'arrivée dans la satisfaction la plus complète. Ça, il y a des femmes qui sont assez simples. Est-ce que c'est là, même? Ok. Et qui ça me dit là qui est en dépassé, qui est en vivant dans tout le monde? Hein? Il est presque arrivé, donc on y va. Vous pouvez reprendre pour moi? Qui ça m'a dit qui dérangeait ou m'a dit même qu'il m'a corrigé, il m'a demandé pardon? Non, oui. Ask the parents. Ask the parents. Ok. Allez, continuez. Ok. Go, keep going. Keep going. Mais d'avancer, va vrai? Il y a eu plus que 30 minutes pour faire. Ok. Il y a des femmes qui clitoridiennes. Et mon saïo, je ne sais pas pourquoi moi j'ai dit mot qui déplace. Tel que moi connais, tel que moi connais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mot qui déplace. Ok. Très bien. Je parle au couple. Et je parle de façon très imagée.
pour que seulement grand monde comprenne ce que je dis. Moi dit qu'il y a des monde, c'est seulement un mot pour pénétration. Moi dit qu'il peut être que capable. Moi dit que des monde qui clitoridienne pénétration pas fait en rien pour yo. Et il y a des familles qui crasent parce que mari a pas connait qui ça pour le fait. Bon, étant donné que moi je dois faire intervention dans sous mesure, je ne vais pas plus d'explication. Mais là où il y a une femme qui est clitoridienne, et que d'après ça, colle Jean Collier, pénétration pape servie, vous devez utiliser vraie façon. Oui, alors, mon clitoris, clitoridienne, bah ouais, il y a un clitoris. Bon, c'est travail, ça a vous fait, c'est qu'on ça a vous fait. M'pas de souci pour un blessé, non. Même t'es de souci à soi, pour moi dire, non, dans t'y coûte intervention, non, pour yon foyer aller loin. Fort ou bien technique et tactique pour mener foyer. Que ce soit par l'amour transformé en sagesse avec le temps, que ce soit par la communication, que ce soit par la fidélité, que ce soit par l'hygiène corporelle, que ce soit par l'activité sexuelle, un élément relativement important pour le foyer, dans le couple, pour la survie du couple. On a besoin de ça. Si y a une question, on va poser une ligne, parce que nous devons bailler. Est-ce qu'il y a au moins une question de la professeure Caroline? Et l'autre bagaille, nous avons dit et m'a prié en grâce en tant que pasteur, en tant que leader. Et moi, comprendre la douleur qui a dans le foyer. Après 10 ans, après 20 ans, après 25 ans, ou qu'a senti bouqué avec madame. Ou qu'a bouqué avec Mario. M'a demandé, s'il vous plaît, que le commandez le Seigneur. Que le Seigneur fasse grâce pour ranimer flamme encore. Mais souhaite pour chaque foyer qu'il a. Après 25 ans d'union, de relation, ou toujours les mêmes monde. Il doit être même garçon, même femme, et vous sentez vous bouquet avec lui. Que le Seigneur ranime cette verve au cœur du foyer. C'est mon vœu, c'est mon souhait. Que le Seigneur rebaille nous, c'est-à-dire revitaliser. Revitaliser, que lui ravigote, ou bien ravigore, baille force encore. À foyer nous qui a marché quand il y a. Que le Seigneur vous bénisse.